Vous n'êtes pas encore vieille, vous avez dit? Non, vous n'êtes pas jeune, jeune non plus. Je ne suis pas jeune non plus. Vous, ben oui, j'avais vu. Il n'y a pas besoin de... pas besoin de me le confirmer. Comment vous appelez, madame? Shahrazad. Comment? Shahrazad. Shahrazad. Oui. C'est Shahrazad avec une faute d'orthographe ou c'est... C'est voulu, c'est voulu. Quel âge, Shahrazad? On ne demande pas l'âge à une femme. T'as vu les deux connasses là-bas? Ah, il a grillé la vieille. Super, là on y va. Ah, vous êtes ensemble? Non. Ah, même pas, c'est juste des connasses. Des connasses inconnues. Non, mais ça se demande pas. Mais là, je pense que vous êtes la doyenne de la soirée en vrai, Shahrazad, non? Merci. Attends, attends, je cherche. Il y a, quel, non, à peu près quoi? 50? 60? 50? 40? Bah, elle me dit pas 20 non plus. Hein, Shahrazad, on est sur un 5 ans. Bon, j'ai 53 ans. Bon, ça va, 53 ans, Shahrazad. Il reste au moins 10 piges, t'es bien. Mais oui, 53, c'est bien. C'est la doyenne de la soirée, 53? Non, comme pas. Attends, c'est pas toi, je demande. Shahrazad, c'est moi, je parle, d'accord? Je t'occupe, je vais faire le sondage. Shahrazad, 53, il y a plus que Shahrazad? Ben oui, tu vois, c'est parce que t'as l'impression d'avoir 20, mais tu vois plus. Que le temps, il passe, Shahrazad. Et là, t'es là et tu dis... Vite, un cadeau, je suis la plus vieille. Allez. Tu veux que je te ken, Shahrazad, 53 ans? Je vais te dire... Et vous l'encouragez. Après, juste un truc avec... Pardon ? Shahrazad, t'es cotonnette en plus d'être vieille, il y a deux... Tu conduis pas ? Pourquoi tu conduis pas ? Parce que je conduis pas, j'ai jamais appris. T'as jamais appris à conduire ? Oh, t'es venu avec qui, Shahrazad ? Toute seule. Ouais, tu veux vraiment que je te kenne, c'est en fait, c'était pas... T'es venue toute seule, c'est vrai, t'as pris ton petit bébé, t'es venue toute seule. Mais où est-ce que tu m'as vue ? À l'EHPAD ? Comment ? Oui, vous avez installé la fibre là-bas ? Vous mettez maintenant les vidéos ? Je bosse, ça, quand même. Bah oui, tu bosses, Shahrazad, je vois. Je sais pas qui t'a embauché, mais ça bosse. Ah, je sais pas. Ça va faire couler la boîte. Je suis comme ta mère, tu gardes des enfants. Ah, c'est vrai ? Ouais. Tu gardes des enfants de quoi ? De 3 mois à 3 ans. Ah, t'es dans une garderie ? Chez moi. Que mais c'est mais légalement ou parce que... Oui, je commence à m'inquiéter de... C'est pas les enfants, ils veulent sortir et toi tu veux pas, on est d'accord. Tu les gardes, c'est bien ce qui m'inquiète. Putain, je te confierai pas mon gosse, je te le dis. Non, 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 c'est bon, reste là. Je sais même pas pourquoi je te relance. Non, non, c'est bon. J'ai compris. Qu'est-ce que t'as dit? Elle a tapé l'autre d'un côté. Que toi t'es même pas dans le game à la base. Ah, vous avez fait la queue ensemble, je veux pas savoir ce que vous avez fait ensemble. Ah, d'ailleurs, attends, je vous raconte ça. Je vais te niquer ta mère. Parce que jusque-là, j'étais en mode, je suis gentil avec la cotorep, mais là, il faut me laisser maintenant, madame. Attends, on a la sécurité, on avait un Renoir de sécurité là-bas. Je vais te l'envoyer, il va te niquer, lui. Comment il s'appelle déjà? Sécurité? Sécurité? Ouais, on est en sécurité ici, putain. Voilà, si j'avais un tueur, j'étais mort. À ta bouche. Pourquoi j'ai des cotorèbes, moi, putain? Les autres, ils ont des gens, ils sont carrés, tout ça. Moi, j'ai Shahrazad, ça va plus la tête. Elle est venue toute seule parce qu'elle sort d'un asile, tout le monde le sait. Elle croit qu'elle garde des enfants, c'est des mecs, c'est des docteurs, tous les matins. Ils viennent tous les matins, on est les enfants, ouais. Elle croit, elle est assistante maternelle, pas du tout. Il y a un mec qui est devant avec un camion, il attend. Dès qu'elle va remonter un filet, paf, il va l'attraper, il va la mettre dedans.